Soutenir financièrement le printemps arabe, c'est l'un des engagements phares pris par les dirigeants du G8 à Deauville. Le président français Nicolas Sarkozy a confirmé le déblocage d'une enveloppe de 40 milliards de dollars pour aider les pays arabes engagés dans une transition démocratique et qui traversent de graves difficultés économiques. Nous travaillons pour déterminer où sont les besoins, mais ce qui est certain, c'est que les besoins sont importants. Avant d'investir, ces pays doivent montrer aussi qu'ils continuent sur la voie démocratique. Nous devons voir des progrès démocratiques. Nous sommes attentifs à tout cela avant d'injecter de l'argent. L'Union européenne, notamment, se dit déterminée à accompagner financièrement le printemps arabe, l'Égypte et la Tunisie en tête. L'Union envisage de débloquer 1,2 milliard d'euros supplémentaires. Elle avait déjà prévu d'investir 5,7 milliards d'euros.